beaucoup, j'espère que ça va. Donc voilà, ce matin on est allé visiter le château d'Imeji et alors on est venu ensuite directement dans le quartier central commercial de Kyoto, donc on est dans le centre, l'endroit où il y a plein de magasins, des arcades, il y a vraiment plein de chouettes petites rues, petits quartiers. On a aussi visité le musée du manga qui était vraiment sympa. C'est le plus grand musée de manga au monde. Il y a plus de 300 000 mangas et vraiment tous les mangas, tous, des plus vieux jusqu'aux plus récents. Donc c'était super intéressant. Après, c'est une visite à faire, on va dire, avec des enfants un peu plus grands. C'est vrai que les nôtres, bon, ça les a intéressés, mais étant donné que c'est un musée, il y a beaucoup de gens qui viennent pour lire sur place. C'est vrai qu'elles étaient un peu énervées, mais bon, c'était vraiment intéressant, c'était sympa. Et donc ici, on est dans l'arcade Teramachi. En fait, c'est des arcades couvertes avec plein de magasins. C'est super agréable. Voilà. Quoi d'autre? On va aller aussi voir le marché alimentaire qui est pas loin. On va terminer avec le quartier de Pontosho qui est un tout petit quartier super calme qui est vraiment au bord de la rivière. J'espère que tout ça, ça va vous plaire. Et alors demain, on va vraiment commencer les visites de Kyoto puisque comme je vous disais, là, ça fait 3 jours qu'on est ici au Japon et sur Kyoto, mais on n'a pas encore visité Kyoto puisqu'à chaque fois, on prenait le train pour visiter d'autres villes. On a fait Nara, si vous avez vu mes vlogs précédents, on a fait Osaka, on s'est rendu aussi à Hiroshima, donc hier à Hiroshima pour visiter la ville d'Hiroshima, notamment le musée de la paix, et aussi pour voir l'île de... je ne sais plus le nom, il y a trop de choses, mais c'est une île qui est très connue avec un grand torii. Donc voilà, en tout cas j'espère que tous ces petits moments avec nous vous plaisent et voilà, on continue l'aventure. On vient de quitter et franchement c'était bon, sincèrement c'était vraiment bon. Moi j'ai pris un curry, Ahmed il a pris des brochettes, les filles elles ont pris un plateau spécial pour les enfants et on a tout mangé, tout était vraiment très bon.
et ça va, c'est raisonnable au niveau prix. Donc voilà, bah écoutez, c'est terminé pour aujourd'hui. On va prendre le bus, le métro et direction la chambre. Enfin, un gros dodo parce que mine de rien, on a encore plein de choses à explorer ici à Kyoto. Voilà, bye bye, à demain.
J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on est jeudi. On a passé la journée à visiter. On a visité pas mal de choses. Je ne sais même plus par quoi on a commencé. On a commencé par le papillon d'or, le Jinkakuji. Ensuite, si c'est ça, le pavillon d'argent. J'ai dit n'importe quoi. Le pavillon d'argent. Ensuite, on a fait le chemin des philosophes. Il y avait des petits temples, etc. Le pneu a crevé. On a dû aller changer le pneu de la poussette des filles. Et ensuite, on est allé du côté de. Ah, le château de Nijo. On a fait le château qui était vraiment super beau et après le château on est parti du côté de Arishaya Gayaya. Bref, un quartier Arishaya, oh, je sais plus le nom. Arishaya, quelque chose comme ça. Où il y a la fameuse forêt de bambou. Donc on s'est promené là-bas, franchement c'était super. Il y avait des temples, il y avait vraiment plein de chouettes choses. On voulait manger japonais. On est parti et finalement en fait le restaurant n'est plus halal et on est revenu dans le restaurant marocain. Donc la baraka, si vous vous souvenez, si vous me suivez sur Snapchat, on est venu hier et c'était fermé. Donc là on est venu, c'était ouvert et on a pris un menu pour toute la famille. Donc on a goûté la salade, elle est délicieuse. La harira, les filles, elles l'ont tuée. Bravo. Et donc là on attend le couscous et le tagine. Donc on a pris un couscous et un tagine. Et alors, le monsieur que vous voyez là-bas derrière, c'est un cheveu vert donc du Maroc et il a vécu à Bruxelles donc il parle le français, c'est génial. Niveau choix, il y a plein de choix, il y a des tagines et franchement c'est vraiment le goût du bled quoi. Quand vous mangez, c'est la soupe elle est délicieuse et voilà. Donc là on attend le tagine, il nous reste donc un jour demain. En fait on va faire ce qu'on voulait faire et qu'on n'a pas pu faire, c'est à dire le palais, la visite du palais, et on va se promener un petit peu du côté de la gare. Mais donc voilà, Kyoto franchement c'est, je sais pas, c'est magique, c'est beau, c'est gigantesque, il y a tellement de choses à voir, il y a tellement de temples etc, mais c'est vraiment une très belle vie. Voilà, sur ce, je vous laisse et je vous dis à demain. Bye bye. Coucou, j'espère que vous allez bien. Donc c'est notre dernier jour à Kyoto, donc on est le vendredi. Donc demain, on prend le train pour Tokyo. Et donc aujourd'hui, c'est plus cool puisqu'on a visité ce qu'on avait vraiment envie de visiter. On est à la recherche d'un temple qui s'appelle, je sais plus comment, Utsukino Junbitsu. Adashino. Bref, c'est le temple aux 1000 Bouddhas. Et on voulait aller le voir parce que c'est quand même il est différent de tous les temples qu'on a vus. Donc on est du coup revenu à Arashiyama. Je crois que je fais plein de fautes dans les noms, mais bon voilà. On est revenu en tout cas dans le quartier dans lequel on était hier. Et voilà. Comme vous pouvez le voir, on est un peu au milieu de nulle part. Donc on a bien galéré ce matin à trouver les transports, puisque on a trouvé le bus, mais comme c'est un jour férié, il n'y avait qu'un seul bus le matin, ensuite on est parti au métro et blablabla, bon bref. Finalement on est arrivé à bon port, donc là on est en train de chercher le temple et il fait beau. Donc depuis le début, il n'y a pas plu une seule fois. À chaque fois c'est nuageux, mais finalement il pleut pas, donc ça c'est bien, ça c'est cool pour les visites. Allez, on va aller rechercher le temple Adashino Shobonishisho. Même moi j'en peux plus, c'est la fin.
Coucou, donc voilà. Ouh là là, il fait trop chaud. J'ai perdu mes lunettes de soleil. On continue la visite de Kyoto. On termine plutôt la visite de Kyoto puisque c'est le dernier jour et là on est du côté de la gare. Donc on cherche le temple Toji. On le cherche pas, on l'a trouvé. On marche vers le temple Toji. Je crois que ce sera le dernier temple de Kyoto parce que mine de rien, je sais plus combien de temples il y a à Kyoto, il y en a des milliers. Non, quand même pas des milliers, si je crois. Franchement, il y en a énormément. Donc du coup, au bout d'un moment, les temples... Par contre, celui qu'on a fait ce matin, il était vraiment bien parce qu'il était différent de ceux qu'on avait vus. Mais après, c'est répétitif. Mais bon, on s'est dit, bon, allez, on va faire celui-ci. Étant donné que l'appartement est pas loin d'ici. Et voilà. Donc c'est parti pour le temple Toji. Et comme vous pouvez le voir, on a eu du super beau temps depuis le début. Mais aujourd'hui, il a fait extrêmement beau chaud. Voilà. Allez, encore 4 minutes de marche et on y est.